Je vous jure que j'y suis pour rien du tout. Je sais pas ce que cet hélico fout dans mon tiercar. C'est pas moi qui l'ai invité. Mesdames et messieurs, bonjour! On est de retour sur GTA San Andreas. Équipé comme Jaja. Coiffé comme Jaja. Il y en avait marre de ce bandana pourri. Je suis allé faire le tour des boutiques. Et CJ, on va dire habillé au moins minimum correctement pour un CJ. Et ben c'est bon, on est parti. Il y a le stade en face de nous. On va bientôt y aller. Peut-être pas dans cet épisode, mais c'est prévu. Sur notre chemin, il y aura le stade. Disons bonjour à Smokey Smoke. À Smokey Smoke. À Sweetie Sweet. Hey homie, what's up? Hey, what you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now you back. All it is CJ drive here, CJ drive there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man, but you can't drive for shit. Thanks, man. Nah. Say what you really mean. You such a good government, homie. You gotta ride shotgun. Show CJ what's cracking. Hey, you know something? You right. Cheers, CJ. You can drive, homie. Comme d'hab. Tout ça pour arriver au même point de départ. Ryder, tu parles beaucoup. Tu veux te faire ventiler? Ah, j'ai failli te ventiler la gueule. On va se faire une petite balade. Oula! Oh la radio. You know something, matter of fact, you are chauffeur for this little gig. Come on. G, thanks, G. Just don't drive like no fool. Ça commence bien. Alors, un petit drive-by. Est-ce que quelqu'un pourrait mettre une cagoule? C'est pas mal pour les drive-by, généralement. Et j'espère qu'on a effacé la plaque d'immatriculation, sinon on va être vite dans la merde. C'est la Grove Family qui se balade chez les balasses. Ça va tirer, là, direct. Non? Il t'intéressait pas lui? Portait pas assez de violet. Ouais, j'ai mis la radio reggae. La Raga Radio. Yeah, for sure, I'm ready. Carl, just concentrate on the driving and we'll take care of the shoot. Listen to the man, fool, and try not to park us up a tree or something. Okay, man, for sure. Oula, il y a un balas à gauche que je connais pas là. Balas Yakuza. Un Yaku balas, comme on l'appelle. Attends. Cela te permettra de voir où se trouvent tes ennemis. Qu'est-ce qui me permet de voir où se trouvent mes ennemis? Ok, allez, go. Allez. Voilà. Moi je tire pas, hein. C'est juste pour bien viser. Voilà. Ah, ils y ont pris goût. Allez, ça dégage. Voilà. Oh, y'en a un. Y'en a en voiture ou quoi? Malheureusement pour eux, non. Dérapage incontrôlé. Oh, ma bombe. Ma bombe de peinture. Voiture. C'est bon, il n'y a plus de... C'est fini. On peut... Point de passage. Oh. Donc en gros, on peut écraser la voiture, on peut la cramer. On reviendra ici quoi qu'il arrive. C'est quoi cette radio de merde? Oh, un dealer. Je reviendrai. Dealer bleu ciel. Ah mais oui, putain, j'aurais dû mettre la radio raga, dealer de raga. Et hop, salut! C'est comme ça qu'on est arrivé à la fameuse pénurie de putes de 1994.
à Los Santos. Ah, oh, pas besoin d'écrabouiller les dealers, la peinture est offerte. Oula. Pah ! Le dealer qui se met juste en face de moi pour que je l'écrabouille. Alors là. Grove is back. Merde, pourquoi il y a deux caisses qui... Oh ! C'est pas possible. Hop, ketchup. Ketchup contre le mur. Ketchup sous l'eau. Ketchup à l'envers. Ah oui, c'est un dealer. Ouh là là. Oh, c'était le duel. Tout le monde, c'est le ghetto là. Tout le monde se ramène sur mon fric là. Faites pas tomber un centime dans le ghetto, les gars. Putain, il rechange la radio à chaque fois que je sors tout. À chaque fois que je sors de la caisse. C'est qui ça? Qui est à côté de moi? C'est Big Smoke. Big Smoke, je te vois changer la radio, bâtard. Ou alors il a vu des traces de... Ah oui, il a dû voir des traces de graisse ou de chocolat sur le bouton. Il veut pas changer la radio, il veut juste récupérer les croûtes de gras qui restaient sur l'autoradio. You're down with the Grove and the ballers know it. So watch yourself for now on, CJ. Yeah, for sure. You know that. For sure, for sure. Here, take this. Go get yourself some beers. Quoi? Je croyais qu'on était des smoke man. Pas d'alcool. Pas d'alcool, mon petit Big Smoke. Mon petit Big Smoke. Mais c'est pour être gentil que je t'appelle comme ça. Oui, toujours ma phobie du crash. Mais toujours mon amour des munitions. Bam, bam. Hop. On n'était même pas obligé de sauvegarder, mais on va le faire quand même. Donc, en gros, sur la carte, on a... Parce qu'on est juste à côté. Du Big Smoke. Oh oui, on a du Big Smoke. BS. Et on a S. Juste Sweet. Sweet, on a pas mal avancé dans l'histoire. Les mecs, ils sont déjà en train de se plaindre du fait que je conduise tout le temps. Donc, je pense qu'on serait pas prêt trop con. On va le faire dans mon équipe. Je recrute aujourd'hui. Et maintenant il nous faut une caisse. Oh! Oh, mais il y a du Rider. Bon, très bien, très bien. Je crois que Rider va nous ramener dans son jardin. Damn, what you doing? Digging graves? Damn, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water. I need a little something before I go deal with things. What things, fool? My homie LB, he told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmett bullshit neither. I'm down. Let's roll. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Oh, encore une référence au fait que t'es un lâcheur, man. Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Ouais. We got this tilt overlooking East Beach. C'est bon, il a trouvé son PCP parce qu'il va falloir que je fasse des recherches. Je ne sais pas du tout ce que c'est que le PCP. Ça a l'air d'être une drogue. Mais lui, il appelle ça l'eau. The water. Il a dit, I'm looking for the water, man. Attends. Ok, donc il n'y a que moi et Rider. J'ai cru connaître les voix des autres mecs de mon clan. Je suis désolé, je mets vraiment la caméra classique pour ce genre de trajet parce que on est attendu quelque part. Faudrait pas être en retard. Hop 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 hop. Mikaro. Qu'est-ce que Mikaro? Même toi tu sais pas parler espagnol. Ça se dit Mikaro? Non. Ah Mikaro, mon amour alors.
Mi cariño. Ah, je ne peux pas sortir de là. Ah oui, c'est vrai. Faut que je me gare. Hold up. Let's creep in, grab the guns and bounce out. Gee, I got it ninja style. Right. Come out, you old bastard. Shut up. Ah ouais, ninja style. You bust the car. Okay, fool, in you go. I'll keep watch. Alors, j'avais oublié deux trucs par rapport à cette mission. Viens te mettre à la lumière, mon beau. J'avais oublié qu'elle était aussitôt dans le jeu. Là, j'ai l'impression que le cambriolage, c'était limite quand on revenait à Los Santos. Et bien sûr, deuxième truc que j'ai oublié, c'est cette magnifique cagoule. Cagoule dominateur. Ou dominé plutôt. Grosse cagoule de dominé. Tu dois pas faire le moindre bruit. Parce que bébé fait dada. Et fait dada. Et dans les yeux ouverts. Très mauvais ça. Ça donne des gaz. Bah vas-y, vole. Oula. Oh le bruit. Mais non, Carl, tu vas nous. Oh, on est mort. Comment est-ce qu'on fait pour avancer lentement? Voilà. Putain, heureusement qu'on a tracé jusqu'à la maison parce que je sais pas si vous avez remarqué, normalement le chrono c'est le même. On se tape le même chrono depuis tout le début de la mission. Ce qui est logique. Mais je savais pas que GTA voulait être un jeu super réaliste. Ok. Keep it coming, CJ. Keep it coming. For sure. That's for sure. Ok. Il y en a un à l'étage, on va le faire direct. Comme ça, si ça se passe mal, bah on est mort. Voilà. Quoi? C'était juste là? Juste en haut des escaliers? Oulalalalalalalala. Ah oui, quand il s'assoit, il pose la caisse. Bien CJ. Ah, on peut pas. On peut pas voir sa tête pendant qu'il fait ça. Tellement concentré le type. J'ai pas envie de le déranger. Oh, ces écrans de chargement de la mort. Je sais. Reste bien dehors à ne pas foutre la merde. Ta spécialité. Oulala, ce bruit c'était quoi? C'était la porte? CJ, ta main droite, qu'est-ce qui se passe? Elle est complètement tordue. Oh là 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 là. On est sur du CJ paralysé. On est sur du para-CJ. L'important c'est que je me fasse rire moi-même. Bon Ryder, c'était la dernière caisse. Prochaine c'est toi qui vas la chercher. Oh. Trouve une caisse ou monte dans la camionnette et va te décharger. Bah, bien sûr. Let's get up out of here. Pas que ça à foutre. Tu reviendras sur ton temps libre, Ryder. Reviens sain et sauf au box. Ok, donc là on va pouvoir utiliser la caméra magique. LB got a storage garage down in Seville Boulevard, family turf we could use. I'm on it. Seriously, Ryder, man, you gotta give up them sticks. What? Man, maintenant ils appellent ça le Stinks. You done fucked up again, CJ, with your crazy ass drive. Now we headed back to paying spray. Ils avaient même prévu la ligne de dialogue où Ryder m'engueule pour alerter les keufs. Putain, si vous avez regardé l'écran, les keufs ils ont vraiment surgi devant moi au dernier moment.
Impossible de les voir avec la caméra qu'on utilisait. Ah, reviens en box. Putain, ils se foutent de ma gueule. Je suis venu exprès pour le pay and spray. Je suis venu exprès and pay. Exprès and spray. Et de toute façon, ils vont me remettre des keufs sur la route. Donc envoyez-moi direct au... Oulalalala. Donc le Stinx. Ils appellent ça soit la water, donc soit l'eau, soit le truc qui pue, le PCP. J'imagine ça comment? J'imagine ça un peu vite fait comme de... peut-être du... Bah non, ouais non. J'allais dire un peu comme du poppers, mais le poppers, comment tu peux en mettre sur un ouinge? Ouais, parce que j'ai vu un truc comme quoi Ryder parfumait ses ouinges au PCP, donc... Donc qu'est-ce que le PCP? Putain, ça donne mal au cœur, ça. J'ai l'impression que c'est à l'infini. Désolé, hein. On est à la fin du pont, voilà, magnifique. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça, c'est vraiment la pire... Non. C'est vraiment la pire utilisation de cette caméra. Le truc trop pas discret. Le mec il est en train de faire un gros burning, un gros burn-out. Au milieu de la route. Avec une capuche, avec une cagoule et un camion de marchandises volé. Si j'ai la discrétion comme on l'appelle. Say CJ, gotta get it in your head that this is everyday shit, homie. Là, je veux pas du respect plus, hein. Je veux de la thune plus. Faut que j'aille continuer de faire mon tour des boutiques, là. Tu peux faire des cambriolages pendant la nuit. Non, tu peux faire des cambriolages la nuit. Quand, nanana. Il y a une tonne de baraques à cambrioler. Une tonne de baraques à cambrioler? Putain, ça, c'est un truc que j'avais jamais fait dans mes premiers passages. Tu dois monter dans ce type de camionnette pour faire un cambriolage. Charge la camionnette et ramène-la au box. Bah il y a ce type de camionnette, mais dis-moi où est-ce qu'elle est. J'espère qu'elle est garée juste à côté de chez Ryder. Ok, look, I'm tired, I'll see you later. Alright, Holmes, just think about what I said. Respect plus. Respect fucking plus, Ryder, tu te fous de ma gueule. Tu te foutrais pas de ma Ryder de gueule, enculé. Putain, j'en dis un Carl. Qui vient de se faire enculer par ses potes. Il est 6h29 du mat. Il est là dans la rue tout seul à se dire putain, je leur ai dit ça, ferme ta gueule. Je leur ai dit ouais ma thune. Nanana. Et en fait la vérité c'est qu'il aurait jamais rien fait. Oula. Mes futurs recrues, venez. Oula, on vous a défoncé votre caisse. Bon. Oui, Ryder. Mais non. Voilà. Tu m'as trop cherché. Non. Oh, Ryder, t'es chaud. On va laisser ce petit bug derrière nous. Allez, je te laisse même la thune. Tellement je sens qu'on était à deux doigts de faire de la merde. Putain, ça fait tellement du bien de voir la ville recouverte en mode Grove Street, man. Oups. Ah non, on a dit les dealers. Excusez-moi, monsieur l'agent. Je vous jure qu'ils avaient une tête de dealer, ceux-là. Tu t'en fous, c'est ça? Je viens m'excuser. Et toi, tu me snubs. Ok. Direction Dilosland. C'est mes banques sur pattes. Incroyable. Pourquoi est-ce que les keufs ressemblent à des dealers aussi? Oh! Ah ouais!
Et ils rigolaient pas. Ah, les balas, ils m'en veulent pour de vrai. Bah, ça tombe bien parce que je leur en veux pour de vrai aussi. Oh là, toi t'as failli être en violet, toi. Oh là, ouais, ils sont où? Non. Eh, les sprinters. C'est pas le moment. Mais dites pas que je vois mes potes au fond là-bas qui sont même pas intervenus alors que je me faisais balasser. Oh, mais il sort d'où lui? Putain, on est dans la merde. Ça va être à base de AK. Non, pas lui. Non, pas lui non plus. Oh, très bien, la voiture s'en est chargée. C'est la merde. Tout le monde tire sur tout le monde. Il faut une recrue, vite. Qui tirait sur qui là, il y a deux secondes? On ne saura jamais, on ne saura. Enquête classée sans suite. Attention! Oh, il a bien sauté à temps, lui. Et ben voilà, c'était la force du jogging vert. Attendez, vu qu'on a terminé la mission, on va faire plaisir à je sais pas qui. On va aller pousser un peu de teufon. On va courir aussi. Ça va nous rendre ça va nous rendre les meilleurs sprinteurs. Quoi? Oulolo. On va faire un niveau de moins, je pense. Si t'étais pas prêt. Éclaté la tronche. Tu t'es éclaté la coupe afro, man. Niveau 5, c'est bon. Facile. On tente niveau 6. Est-ce qu'on tente niveau 7? C'était le niveau 7 qu'on a tenté tout à l'heure. Oula. Ah, le mec, il passe de mec trop relax, mec trop vénère, relax, vénère, complètement relax. Attention, je suis vénère. Ah, c'est bon, les ballasts sont partis. Là-bas au fond, 3 ballasts. C'est bon, ils sont morts. 1200 mètres, 1300 mètres. Au fond du tunnel, là, c'est pas des ballasts? Putain, exact. Continue, TJ, continue. Tu peux les avoir, ces chiens. Vas-y. Nique-leur leur baronne, les putes. Non, pas 8. Voilà, pardon. On doit avoir ripé, TJ. À 2000 mètres, on s'arrête. On va aller pousser de la fonte, voilà, hop. Quel bosseur, ce TJ. Bon, alter. 54 aussi, ça m'a l'air d'être un bon compromis. Alors, quand tu fais un développé couché, appuie sur X quand la... sur croix quand la barre... Non ! Ok, arrive dans le petit truc en bas. Oula, ça va, c'est pas trop compliqué. On va passer au poids suivant, on va passer au poids un peu supérieur parce que... C'était bien trop gérable. Et on va pas y passer notre vie non plus. Normalement, au bout d'un moment, CJ, il était crevé. Il arrêtait tout seul de faire des haltères. Là, je vais te mettre un bon gros poids. Là, je vais te mettre du 45. Oulou. Bon, ça va. En plus, c'est moi qui travaille, CJ, alors. T'as pas à te plaindre. Une. En plus, c'est vraiment le rythme. Exactement ce rythme-là. Imagine les droites que tu vas mettre dans la street. Les mecs, ils vont décoller. Tu vas décoller des dents. Les mâchoires vont voler dans Los Santos. Et normalement, on n'est pas loin de chez Big Smoke.
On va voir si ma géo... De toute façon, Big Smoke, c'est toujours plus proche que l'émission Rider et Sweet. Oh, quoique. Attends. Oh, je suis entre les deux. Mais j'avais dit depuis un moment qu'on irait faire avancer Big Smoke. Allez, c'est parti. Les pneus crissent sur la route. La violence est au bout du fusil. Non. Oh, un piéton. Est-ce que ce serait pas un dealer? Oh. Qui a réussi à se relever en dessous de ma voiture, quoi. Reste là où t'es. Non! C'est like this and like that and like this, c'est là. Oh, elle était... Oh, Hollywood Boulevard. Oula, oula, oula. Attendez, c'est quoi ce point sur la carte? Mais what the... Mais qu'est-ce qu'on foutait là? Pourquoi est-ce que... Attendez. Qu'est-ce qu'on est venu foutre ici? C'est une blague? Ok, il y a un gros problème. N'importe quoi. Je sais que la dernière chose qu'on s'est dit, c'est qu'on allait chez Big Smoke. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis qu'on s'est dit ça? On a traversé toute la ville pour rien. Juste pour écouter du bon gros son. Radio Los Santos. Sorry man. Y a mon pote Big Smoke qui m'attend. Oula. Désolé. Vraiment petit dérapage. Très nécessaire. Une bande de rageux. Oh, un Dilos. Aïe. Ou alors c'était la fin de journée, mais... J'ai peut-être fait une erreur judiciaire, mesdames et messieurs. Ok. Tout ça pour ça. Comment? Mais qu'est-ce qui c'est? J'en reviens pas. Oh putain, mais déjà OG Lock? C'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? What's up, trois fois de suite? Nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll.
Tout ce qu'il veut savoir, c'est que qu'il était en prison. C'est sa plus grande fierté. Jeffrey, le OG Lock. The old Jeffrey. The old Jeffrey. Good to hang with you, brother. I'm sorry I get a little tense. Don't worry about it. Hey, it ain't Jeffrey no more. It's OG Loke. OG Loke? Oh, yeah. He's a real gangster now. I see. And what'd he do? Anything he can get thrown in jail for his career. Joyriding, parking fines, or some other bullshit. Vous allez tirer ou pas, les mecs? Ah, ouais, d'accord. Les mecs dans ma voiture s'en battent les couilles. On a failli se faire assassiner en pleine rue. Merci, Sweet. Merci, grand frère, ça fait plaisir. So what you wanna do now? Man, I gotta kill some cholo motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeff, I thought you was going to, college. Man, fuck you. Motherfucker done stole my rhyme. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, why don't you stalls out with that shit and get in the car? Fool. Le mec sort de prison, il veut tuer un Mexicain qui lui a volé ses lyrics. Maintenant, je pense que vous avez lu, hein. Mais surtout, le plus grave, c'est qu'il essaye de s'embrouiller avec le chauffeur de la voiture. Avec son vieux bonnet de traveler. Still, ain't so bad. I'm gonna be a hygiene technician. Coming up in the world, huh? Just a stepping stone to greatness. Yo, what's the deal, man? Real nice. Oula, oula. Non, bah voilà, on était sûr qu'ils allaient s'énerver, les mecs. Et voilà, vous me forcez à renverser une grand-mère avec vos conneries. Sens de l'honneur, zéro. Couleur de bandana, suspecte. Suspect sur la virilité des porteurs de tenue. Oula, oula, oula. Qui n'a pas fermé sa portière. Tiens, voilà, bam. Gros là. Et donc là, on l'amène. Où est-ce qu'on amène OG-Log d'ailleurs? Où est-ce que t'habites, OG? Jeffrey, man. Oh non, il vient tuer son ennemi. Come on, let's leave Loke to deal with Casanova. Hey, I'll stick with Jeff. I mean, Loke. Okay, cool. I'll see you guys back on set. What? Attends, le mec il vient de me chauffer à mort dès qu'il sort de prison en mode ouais, je vais te niquer ta mère. Moi je suis chaud, comment tu peux me dire comment ça s'est passé la prison? Et là, on se dévoue pour lui sauver le cul. Incroyable, fusil à canoncier. C'est le moment de le tester. Hein? Oh! Jeffrey? Oh là 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 là! Comment une manière de commencer la mission! Comme c'est pas possible! Je vais tellement le défoncer, ce fils de pute! C'était juste une prison thing! J'ai plein de muchachas sur l'outside! Je n'ai pas besoin de ton scrawny ass! Mais ignore-le! CJ, je ne sais pas ce qu'il parle! Hey yo, give me back my rhymes, you thief! I'm gangster! You dropped a soap, sugar! I don't know nothing about any rhymes. Hey, motherfuckers making a run for it. Putain, mais hey, ça non plus, mais qu'est-ce que je branlais les fois où je jouais à ce jeu.
Ok, donc en gros, c'est Odila qui veut récupérer des lyrics auprès le mec dont il faisait la pute en prison. Ça ouvrait les fesses. Ça ouvrait les fesses dans la cellule. Et maintenant, Odila veut faire le macho. C'est pas possible. Oula, oula. J'avais pas compris qu'il ripostait, ce bâtard. Je pensais qu'il était juste content de se prendre les balles. Que OG était prêt à lui balancer. Alors cette mission, je sais pas pourquoi quand je les ai faites au début. Waouh. Je les ai ratées un nombre de fois. J'ai le souvenir d'avoir recommencé cette mission encore et encore. Bah viens alors. Oh le fils de TP. Est-ce qu'il est mort lui aussi ou est-ce qu'il a continué sa route comme un... Comme si de rien n'était. Oh le bâtard. Lui ça ne lui a rien fait. Très bien OG. C'est ça man. Tartine lui le cul là. Mais c'est quoi cette voiture de merde? Putain grand-mère là, casse-toi. Quelle pute. Non, 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 on le savait en plus. Je m'en rappelais de cette montée là. Oh là là, incontrôlable. Oui, on ne fait que se plaindre. Vas-y, OG, n'hésite pas là. C'est le moment de... Ah. Oh putain, mais moi aussi. Pourquoi je tirais pas depuis le début? Si je peux lui en mettre juste une déjà, ce sera pas mal. Oh, le fils de te... Putain, c'est bon, j'ai 800 balles. Je peux lui en offrir quelques-unes. Mais c'est pas possible, putain. Mec, s'amuse. S'amuse avec moi. Alors le problème de cette mission, à mon avis, à l'époque, c'est que j'ai dû essayer de la faire pied au plancher du début à la fin. Alors qu'en fait, clairement, le mec en face de toi t'attend. Le mec s'arrête au feu rouge pour qu'il pète la gueule. Putain, mais est-ce qu'on peut juste le tirer dessus tout droit, là? Eh, hey, monsieur l'agent, vous avez vu? Toi-même t'as vu? Oh le bâtard. Il avait des renforts. Oh! Oh non, j'ai cru que... Il était enfin tombé de moto. C'est pas possible. Il me met ses détritus sur la route. Oh merde. Alors lui, il conduit parfaitement. The train, CJ, the train! The goddamn train! Oula. Dis sors, CJ. Y'a OG Locke qui va devenir OG rien du tout dans 2 secondes. Oula. Don't you say a damn thing, CJ! Was you lonely, Locke? Hey, I like a nice mustache myself. I keep it real, unlike you fake ass motherfuckers. Come on, gangster. Let's get back to the grove. No, I can't. I gotta go and sign in for this damn job. Whatever you want. You wanna ride anyway? Sure thing. Let's roll. Putain, CJ, comment t'as... J'avoue, OG, il a raison. Comment t'as un vieux planqué? Mission like a super technician, baby. Come on, that shit, man. Look at you. All muscly and shit. Man, I got 17s on the head. Could have did that out here. Because I did it in the joint, it's real now. Yeah, I guess it is, gangster. Ouais, j'avoue, CJ, en fait, CJ et toute sa bande de potes, c'est vraiment des vieilles merdes qui n'ont pas eu le courage de tester la prison et de se faire fourrer le cul. Comme OG, le vrai mec. Voilà, c'est ça les vrais mecs. c'est le message qu'il voulait nous faire passer, j'ai l'impression. What you gonna say? What you got to say?
Oji, tu t'accroches? Ouh là là, Oji. Oji, il y a un accident. Attendez, d'ailleurs, on va l'avoir tout de suite cet accident. Quoi? Comment il s'est accroché, Oji? C'est pas possible. Attendez, attendez, on va prendre un peu de vitesse. Et on va tuer Oji. Voilà, là c'est bon. Là, je vous dis, la première chose qu'on percute. Mais. Oh merde, et un keuf en plus. Aïe aïe aïe. Non mais Oji, tu peux pas être. T'es fourni avec la moto. C'est un OG d'usine. Je vais essayer de ramener à ton burger shot. Ok. Non. Oui. Thanks for the ride, CJ. Don't be a stranger, fool. Yeah, for sure. I'll see you around. Like a quarter pound. Later. I'll be around like a quarter pound. La blague qui est pas possible à traduire en français. C'est à dire quoi? Je suis. Je serai à l'heure comme un burger. Un quarter pound, c'est vraiment genre le. Mais d'ailleurs, c'est. Attendez, est-ce qu'ils l'ont. Ils l'ont ramené en France le quarter pounder? Excusez, le quarter pounder, c'est vraiment genre. Le truc de Burger King. Ah bah non, attends. Ah non, c'est McDo. C'est McDo, le quarter pounder. Bon, bref. OG a besoin de moi, mesdames et messieurs. Et quand OG m'appelle, je me casse. Je me casse au magasin. Ah mais non, il n'y a toujours pas de magasin de... Toujours pas d'ammunition. Alors c'est sûr que c'est pas en faisant l'émission d'OG... Que j'aurais débloqué les ammunition. C'est peut-être en faisant des missions rider ou des missions smoke. Tant pis, on va se faire OG. Il est juste à côté, et c'est la fin de l'épisode. C'est quoi ces couleurs, ça? C'est des balas? Excusez-moi, monsieur. Oula. Ah, c'est bon, t'as répondu avant même que je te pose la question, toi. Complètement con. Mais il a préféré sauter. Je te vois quand même. Non, oh désolé madame. Vraiment une balle perdue. Complètement. Complètement contraire à ma volonté. Oh. I'm putting together a listening party for my album. But first, I need a sound system. Hey, I'm down as long as I don't have to go to the port. What you talking about, fool? Guaranteed I start playing, everybody will come through. Being real OG, I really ain't into rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me, OG Loaf, baby. Yeah, yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway, what you want me to steal? That's what I'm talking about. Love for your homies. Now check it. I caught me a real fly sound system cruising through the drive-thru. I think they headed down to the beach for a beach party. Now check this out. I'll roll with you, and on the way, I can get a couple of freestyles. It's OG Loke in the place. You don't want to stop me with a gun in your face. Yeah, OG, man. Look, shut the fuck up. Maybe I need to do this on my own. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. It's OG, look in the place, you wanna shoot me with a gun in my face? Elle était pas mal celle-là, OG man. Encore une rime volée, malheureusement. Et qui viole un œuf, viole un bœuf. En tout cas, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va danser. On va danser ce soir! Avant de se casser. Oula. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent que je me ramène. Ah oui, ils veulent que je fasse tout le tour. Mais je ferai jamais tout le tour. Je m'écris mes propres chemins. Alors, il faut que je vole un gros camion. Voilà, bah voilà, c'est celui-là, avec la sono. Allez.
Il est 8h du matin, c'est normal, il vient. Il met un sweat à capuche pour aller sur la plage. Réponse positive, réponse négative. On va dire que ça va bien. Just looking for some fun. Je viens déjà de dire oui, pourquoi encore accepter? Ouh là là, on n'est pas tombé sur une, on n'est pas tombé sur une fusée là. Le DJ s'est pris des décibels dans le cerveau. Hey. Mais, ah merde. Vraiment, j'ai pas compris. Attendez, on quitte. Je voulais faire un sans faute. T'as raison, meuf. What the fucking fuck? Mais non, ils sont sérieux? Ah. Putain, ils mettent tellement de temps. Ils mettent tellement de temps à me le reproposer. Oh! Hey, what you gotta say? Say, CJ. Il va t'éclater. Say, CJ. Il va te tuer. Déclate. CJ. Il va t'éclater. You've done this before. Tu hey. Those are some killer moves. Trying to learn us a little? J'essaie quand même de rester concentré. En tout cas, j'ai choisi une superbe tenue là. Quand je le vois danser, je vois ses petites baskets. Magnifique. De bons choix ont été faits récemment. Pas comme celui de parler à une DJ de teubé. Pour lui faire plaisir et ensuite lui voler sa camionnette. C'est pas le meilleur plan qu'on ait trouvé, CJ. Garde, essaye. Hey, you're a natural. Rock and roll. Bon. Best dancer I've seen in here. Oh, that's right. You're getting there. Ils ont voulu refaire le système de danse. Mais je le trouve moins dynamique, moins kiffant que le premier truc de. Que la première version, la première danse. Oula! Non! C'est bon, elle nous a pas vu en train d'ouvrir la porte. Quoi? Et qu'est-ce qu'il veut? I lead the way. J'ai pas compris qu'elle m'avait parlé. Ouais, attends, je vais te ramener au bureau moi aussi. Non! Mais. Putain, mais je comprends rien. Elle me regardait, elle comprenait pas. Oh! Oh bah, oh la pute! Me flingue. J'aurais dû l'écraser. DJ Smash, comme on l'appelle. Bon, moi j'ai pas l'impression que les mecs aient mon adresse. On va pouvoir rentrer direct. Ah non! On va pas chez nous, on va chez nous, hein. On va chez G-Lock. On va chez Jeffrey.
Jeffrey, remets-moi du gros son. Ouh là là, y a. Alors là, le bruit était sale. Là. Y a pas un os qui s'est pas brisé là. Ta gueule. Radio Los Santos, la meilleure. Une mission parfaitement remplie. Oula, mais non. Oh non, le garage maudit. Est-ce que vous connaissez ce garage, mesdames et messieurs? Vous le connaissez pas? Ouais, vous avez envie de jamais le revoir. C'est moi qui vous le dis. Le petit mec en short qui sort de son garage avec son Uzi dans la main. Bien, ça a duré bien trop longtemps, c'était bien trop gênant. Oula, non, si tu regardes derrière toi, regarde la bête de voiture. Ah oui, je suis d'accord, elle conduit à poil. Mais lui là, hop, il va rentrer chez lui à pied. Merci pour la livraison. Eh bah, mesdames et messieurs, comptez sur moi. Je ramène cette caisse tout de suite. Tout de suite dans le tiercar. Et on se retrouve la prochaine fois pour organiser la célébrité d'Oji Luck qui ne le mérite pas du tout. Mais ça va nous faire marrer de voir cette merde monter au sommet du rap game. Et ensuite, on va l'éclater. Spoiler. A toutes, mesdames et messieurs, c'était Biggie pour vous servir. Oula. Lui, il a compris derrière, là. Il a compris que c'était Biggie qui rigolait pas.